notre let's play sur les Sims Catch, hein, et il s'est passé pas mal de choses, n'est-ce pas? Vous avez pu le voir du coup dans l'introduction. Alors, je vais vous expliquer tout ça au cas où vous n'auriez pas tout compris. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Will trouvait qu'il ne voyait pas suffisamment ses enfants. Et du coup, il a décidé de faire appel à un avocat pour obtenir la garde d'un de ses enfants. Donc Fallon a été obligé de faire appel à un avocat également. Et il a réussi à obtenir la garde d'une des deux jumelles. Et comme vous pouvez le voir, bah, celle qui nous reste, c'est tout simplement Caitlin. Et il se trouve que du coup les jumelles étaient super tristes de devoir se séparer. Fallon était très triste aussi. Et du coup ça les a mises un petit peu en colère toutes les deux. Donc voilà, ça a creusé un fossé un petit peu entre ces deux petites filles désormais. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans un nouvel appartement. Je vous avais dit que je voulais faire déménager Fallon, c'est chose faite. Donc, comme vous pouvez le voir, ça c'est la chambre de Caitlin. Il y a également une chambre pour Garance, au cas où elle voudrait passer à la maison de temps en temps. Pour voilà, elle a quand même une chambre. Et puis, vous pouvez voir que j'ai rajouté également des éléments du kit jour de lessive. Donc, on a ce meuble-là. J'ai mis plein de petits décos ici. Ce meuble-ci pour ranger les manteaux en arrivant et tout ça. Ce meuble là, on a les paniers à linge bien évidemment, j'ai rajouté du coup une machine à laver et un sèche-linge qui sont juste ici, donc voilà, du coup j'ai terminé l'aspiration de Fallon, ami des animaux, et donc je lui ai choisi une nouvelle aspiration qui est auteur de best-seller. Voilà, elle va se reconvertir un petit peu, enfin pas totalement, mais elle va écrire des livres. Et du coup, je me disais que... Ah, on a des factures à payer, donc on va les payer tout de suite. Et elle doit écrire pendant une heure en étant inspirée. Du coup, ce qu'elle pourrait faire, c'est aller prendre une douche inspirante. Et puis ensuite, commencer à s'entraîner à écrire. Voilà, une douche médiatique. Mais je vais là, toi. Bah, non, mais l'autre, elle rentre. C'est une blague. Vous avez vu ou pas? Elle est rentrée dans l'appartement. Genre, je lui ai jamais donné les clés, hein. Billy Jong, et elle rentre tranquille et elle nous observe sous la douche. Non mais tout va bien quoi, ça va, je te dérange pas Miss Non mais n'importe quoi, tranquille. C'est un peu étrange quand même de débarquer comme ça et de mater les gens, enfin je sais pas. Moi personnellement je le ferais pas, après chacun son truc. Hein. Je voulais vous dire aussi que j'ai augmenté la qualité des graphismes dans les Sims, au niveau des objets, des Sims et tout. Donc dites-moi si c'est mieux, ce que vous en pensez. J'espère que ça va pas faire laguer le jeu, ça me saoulerait vraiment. Fallon a acquis la compétence écriture, super. Du coup, dites-moi si ça va comme ça, si c'est mieux en tout cas pour vous. Auquel cas, je le laisse, sinon... et puis on va voir ce que ça donne pour si ça fait bugger ou pas. Et voilà, c'est bon. On a écrit pendant une heure en étant inspiré. Du coup, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va emmener Pixel à la clinique vétérinaire. Bon, pas la nôtre, n'est-ce pas, hein ? Mais on va l'emmener et je vous retrouve là-bas, du coup. Et les amis, nous voilà à la clinique en compagnie de Pixel. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va s'enregistrer. Hop, inscrire Pixel pour soigner une maladie. Let's go. Un vétérinaire arrivera bientôt pour examiner et soigner votre animal malade. Bien, merci de bien vouloir patienter. Eh bien, écoutez, on patiente. Alors apparemment on a fini d'attendre le vétérinaire, du coup j'imagine qu'on va venir nous chercher pour qu'on accompagne notre animal dans cette épreuve. Ah bah il l'a déjà examiné, alors on a le choix entre un traitement basique, traitement coûteux, refuser le traitement. Écoutez, on va prendre un traitement basique, on n'est pas non plus ultra riche, faut pas déconner. Hop, voilà, donc j'imagine qu'il va avoir son petit cône de la honte. On va rentrer, on se retrouve à la maison nous. Et nous revoilà les amis à la maison, il y a notre voisine qui est là, donc écoutez, pourquoi pas la saluer, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on ne la connaît pas. Du coup on pourrait lui faire une présentation chaleureuse, voilà, ça pourrait être sympa. Bah écoutez, je pense qu'on va inaugurer un petit peu une deuxième fois le kit jour de lessive. Ah bah on peut fouiller les poches, on va fouiller les poches pour trouver des sous-sous. Si vous n'avez pas vu la découverte du kit jour de lessive, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, j'en ai sorti une.
Du coup, je vous mettrai le lien dans le petit i en haut à droite juste maintenant si vous voulez aller la voir. Voilà. Et du coup, là, on fouille les poches pour trouver des sous. Et ensuite, on va faire une petite machine parce qu'on a déjà, on a déjà du linge et thé, donc voilà. Donc là, on a eu cette seam flouse. Et ensuite, on fera la lessive, on va mettre dans le lave-linge. Et là, on a eu 44 seam flouses. Mine de rien, faire le linge, et bah ça peut rapporter des sous. Voilà, sachez-le. Si vous habitez encore chez vos parents et qui vous saoulent pour faire la lessive, faites les poches. Voilà. Non, je rigole, faites pas ça, vous pourriez trouver des trucs que vous voulez pas trouver. Ne faites pas ça, les amis. Elle, ça va, tranquille, elle joue à la console chez nous, tout va bien. On lui a dit bonjour, ça y est, c'est trop notre pote. Et du coup, ensuite, on va faire laver le linge. Hop, et voilà, bah c'est parti. Écoutez, on entend bien le bruit de la machine et tout. Je me disais qu'on pourrait peut-être essayer d'éduquer un petit peu Kathleen. Comme vous savez, il y a l'éducation qui vient avec le pack être parent. Et du coup, on pourrait lui apprendre à dire pardon déjà dans un premier temps. Et ensuite, lui apprendre à dire s'il vous plaît et merci. Non maman, tu es toujours morte, je suis désolée. Voilà, et du coup comme ça là elle gagne de la résolution de conflit et après elle gagnera des manières. Je vais regarder juste où elle en est là-dedans. Alors, contrôle des émotions, c'est pas ça. Résolution de conflit, ça va. Manière, ça va. Responsabilité, pas trop. Ah, alors là, je sais pas si vous avez entendu, mais on a eu le petit bruit de la machine pour nous dire comme quoi elle était terminée. Du coup, écoutez... Ah oui, j'ai repris ma souris, mais du coup, j'ai toujours autant de mal à m'habituer. Ça va venir, hein. Ça va venir, les gars. Ne vous en faites pas. Alors, il est immaculé et humide. Du coup, on va vider la lessive. On va mettre au sèche-linge. Voilà. Et puis, pourquoi pas, dans un second temps, sortir un peu. Parce que, écoutez, Fallon, elle a bien besoin de changer les idées, là. Parce que... Bah, elle a plus sa fille. Non, mais tranquille, mais toi, tu te sers chez nous. Mais c'est une grosse blague. Genre, mais... vous savez quoi? Après, on va faire un truc un peu méchant. Parce que là, c'est pas qu'elle nous saoule, mais un peu. Créer des mots interdits, c'est peut-être un peu extrême. Insulter aussi. Autre Sims, critiquer un autre Sims. Oh, on peut lui demander de rompre avec son mari. C'est marrant, ça. Je savais pas. Non, bah du coup, on va pas se disputer avec elle. On va juste lui demander de partir. C'est possible ou pas? Parce qu'en plus, c'est qui va faire la vaisselle qu'elle est en train de bouffer, là? Hein? Bah c'est nous, c'est Bibi. Donc, on va lui demander de partir juste après. Ah oui, on l'a mis, mais on l'a pas mis en route. Du coup, on va faire sécher le linge. Voilà. Et ensuite, écoutez, on sortira peut-être une petite sortie en boîte, un truc comme ça. Au niveau des besoins, elle est vraiment bien, mais elle a besoin de se divertir. Donc écoutez, on va en profiter pour se divertir, effectivement. Donc voilà, nous, on va sortir et moi, je vous retrouve en boîte. Voilà. Et les amis, nous voilà à la discothèque Pan Europa de Windenburg. J'aime beaucoup cette boîte de nuit et comme vous pouvez le voir, j'ai invité Lisa puisqu'on voulait se réconcilier avec elle. Il y a Penny Pizzas, il y a un beau gosse qui s'appelle Maddox Fox et il y a également cette sim que j'ai créée qui s'appelle Emily Perrin. Lui aussi je l'ai créée et elle aussi je l'ai créée. Voilà. Du coup, ce que je vous propose... c'est que tout simplement on aille danser, ça pourrait être pas mal. On a Gunther qui est là et ici ça doit être Vladimir Gothic si je me trompe pas. Oui, en effet. Ok, bon, je sais pas, on va faire danser ensemble du coup, ça sera peut-être mieux. Et bah, pendant qu'on danse on peut discuter et écouter le petit Maddox là. Moi il me plaît pas mal. Du coup on pourrait peut-être essayer de discuter un petit peu plus avec lui. On peut discuter de techniques de danse, pourquoi pas, c'est le lieu hein, après tout.
Ouais, aussi lui raconter des ragots, voilà. On va faire ça. On va discuter aussi avec elle parce qu'on la connaît pas très bien. Et du coup, comme on a dit qu'on allait re-sociabiliser avec Lisa, on va du coup lui parler un petit peu. Pas trop non plus, faut que les choses se passent relativement doucement. On va lui illuminer la journée. Et je me disais, pourquoi ne pas donner la clé de l'appartement à certains Sims, parce que je crois qu'on ne l'a pas encore fait. Oula, draguer carrément. Non, on va complimenter sincèrement. Oui, donc pourquoi pas donner la clé de l'appartement à certains Sims, comme ça, on va dire c'est nos potes et voilà, ils vont passer nous voir. Lui par exemple, mais lui c'est pas seulement pour être pote je pense, vous voyez ce que je veux dire. Lui on peut lui donner la clé de l'appartement. Donc écoutez, on va faire ça, on va lui donner la clé. Waouh, il est déjà presque 4h du mat, mais moi je vous propose qu'on rentre tard, on est ultra fatigué parce que Fallon elle a vraiment besoin de ça. Elle a besoin de cette soirée avec des amis, c'est important. Et voilà, c'est bon, on lui a donné. Du coup maintenant il pourra passer régulièrement. On sait pas pourquoi, hein. Écoutez, on verra bien. Fallon a commencé à être KO, elle va dormir pendant 2 jours en rentrant, mais c'est pas grave. Discuter des centres d'intérêt avec elle, j'aime trop sa robe, elle est trop mignonne. Je sais même pas avec quoi ça vient, ça doit venir avec Vicitadine. Elle vient de Vicitadine, mais je trouve ça trop chou, c'est hyper kawaii et tout, c'est trop mignon. Ça veut dire la même chose, mais c'est pas grave. Alors, Miko, elle est bienveillante. On a atteint le niveau 7 de la compétence charisme, waouh! On est trop forte. Je crois qu'on pourrait peut-être même créer un réseau social, tiens. Ouais, bon, il n'y a plus personne. Du coup, écoutez les gars, moi je finis de faire ça, les actions que je lui ai dites. Et puis ensuite, on va rentrer. Je vais faire dormir Fallon et je vous retrouve quand elle est en forme. Et nous revoilà les amis. Alors, Fallon va beaucoup mieux. Je l'ai remise du coup à l'écriture de son bouquin. Elle va bientôt atteindre le niveau 2 de la compétence écriture. Et j'ai vu qu'on pouvait effectivement créer un réseau social. Du coup moi je vous propose qu'on le fasse parce que ça pourrait être cool. Voilà, moi j'aime bien faire ça dans les Sims. Je sais pas pourquoi, qui sait, après sa carrière de vétérinaire elle peut peut-être passer à une carrière de réseau social. Du coup ce que je vous propose c'est qu'après on crée un profil sur les réseaux sociaux. Donc Fallon a atteint le niveau 2 de la compétence écriture, c'est parfait. Et je voulais également vous parler de quelque chose. Il se trouve que j'ai découvert un nouveau jeu. Enfin, nouveau, il n'est pas nouveau en soi, mais moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Il s'appelle Stardew Valley. Et c'est un petit peu un mélange entre Animal Crossing et un jeu où il faut beaucoup farmer. Et c'est un jeu de ferme en fait, où on tient une ferme. Donc voilà. Et je voulais savoir si ça vous dirait que je vous fasse des vidéos dessus. Et du coup, je vais vous mettre un petit sondage juste maintenant en haut à droite de votre écran. Et vous pouvez me dire si vous voulez que je vous fasse des vidéos dessus ou pas. Ça pourrait être plutôt cool. C'est comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Laura souhaite venir passer du temps ici. Avec plaisir, Léa, si tu veux. Du coup, on va arrêter d'écrire notre bouquin. Donc, elle est là, elle est à la porte. Et du coup, on peut lui donner la clé de l'appartement. Ben, on va lui donner comme ça, elle n'aura plus besoin. Fallon a créé un profil sur les réseaux sociaux. Oui, du coup, comme ça, elle n'aura plus besoin de nous appeler avant de passer. Elle pourra venir directement. Moi, j'aime bien cette sim. D'habitude, j'ai pas trop l'habitude de créer des sims qui sont un petit peu grassouillés, on va dire. Et là, c'est la première que je fais, je crois, qui est un petit peu comme ça. Et je trouve ça bien parce qu'il faut varier un petit peu, mine de rien. On n'a pas, enfin, dans la vraie vie, tout le monde n'a pas une taille comme Fallon, de lint, de mannequin, tout ça. Enfin, voilà. Du coup, je pense que j'en créerai un petit peu plus à l'avenir des comme ça. Donc, elles vont jouer toutes les deux. Elles vont se faire une petite séance de jeux vidéo. Et écoutez, j'ai l'impression qu'elle s'amuse bien, donc ça c'est vraiment cool. Et puis en même temps, Fallon elle gagne de la compétence jeu vidéo, elle pourrait peut-être devenir une grande gameuse plus tard, je ne sais pas. J'aimerais bien voir où elle en est au niveau de ses compétences, parce que j'aimerais bien qu'elle ait toutes ses compétences au max avant de la faire grandir. Mais le truc c'est qu'il faudrait qu'elle grandisse en même temps que sa sœur, donc c'est pas évident. Parce que du coup, ce que j'ai fait là, c'est que je leur ai remis l'espérance de vie en normal. Du coup, comme ça, elle grandira dans 3 jours. Et en 3 jours, on a large le temps de lui faire avoir la compétence 5 réflexions et 5 mouvements.
Du coup, on va faire ça tout de suite. Il se trouve qu'il n'y a des cubes que dans la chambre de sa sœur, donc elle va aller squatter la chambre de sa sœur. Écoutez, voilà, j'espère que ça la rendra pas trop triste. Elle va étudier les formes. Ah oui, je veux qu'elle termine son livre dans cet épisode, ce serait plutôt cool. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir gagner pas mal de sous avec les droits d'auteur et tout ça. Et en fait, je compte faire aller la clinique jusqu'au niveau maximum, entre guillemets, genre avoir pratiquement 5 étoiles, les avantages et tout, et puis faire en sorte que Fallon, elle ait le niveau 10 de la compétence vétérinaire. Ah, on va s'occuper de notre réseau social. Et puis ensuite, je pense qu'on vendra la clinique et que du coup, on se lancera dans un autre métier. Donc... Il faut prévoir. Partager une photo. Hop, voilà. Ensuite, on va reprendre l'écriture de notre livre. On a beaucoup de visites aujourd'hui, dites-moi. Écoutez, on va aller voir Maddox. Et puis, on va s'enthousiasmer à propos... Ah, Kathleen a atteint le niveau 5 de la compétence réflexion. Mais c'est parfait, ma chérie. Je suis fière de toi. Du coup, c'est la compétence mouvement qui lui reste à maxer. Et écoutez, c'est ce qu'elle va faire, elle va construire des tours. Je crois qu'on peut faire ça avec les cubes. Voilà, construire une tour, mais c'est parfait ma chérie, je suis fière. Du coup, lui, elle est rentrée dans notre appart, Laura. On va lui illuminer sa journée. Ah merde, il est marié. Vous voulez pas qu'on devient super pote avec lui et on lui demande de divorcer? Parce que, moi je l'aime bien quand même. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous voulez qu'on essaye de mettre Fallon avec lui. Hop. En tout cas, moi je vais tenter des petites choses. Voilà, on va faire plein de petites interactions. Parler de cuisine. On pourrait peut-être être la maîtresse dans un premier temps. Et je crois qu'ensuite, après, on peut proposer de. Pourquoi je l'ai mis en coupe celui-là? J'aurais pas dû. Ensuite, on peut lui proposer de rompre avec sa femme. Ah non, tu pars pas. Hop là, tu ne partiras pas, mon ami. Je vais te séquestrer chez moi. Bah oui. On va lui illuminer sa journée. Il est hors de question que tu partes. On veut devenir ami avec toi et ensuite te piquer à ta femme. On va lui partager un secret. On va le flatter. Ok, par contre il est un peu chelou quand même. C'est quoi ces traits de caractère? Faudrait qu'on regarde. On va. Alors, au niveau de ses traits, il adore la nature, il est sûr de lui et c'est un génie. Ok. Bah écoute, pourquoi pas mon ami, hein? Oh non! C'est qui? C'est Pixel qui l'attaque, je crois. Oh merde. Il va pas s'entendre avec notre chat, lui. Ok. Bon, bah écoute, voilà, hein. Ça c'est fait, Pixel elle l'a bouffé quoi. Voilà, écoutez les amis, il va partir, et bah c'est pas grave. Fallon, de toute façon, elle a faim, elle a la dalle. Ah, on a oublié notre linge, je crois, dans le sèche-linge, il faut qu'on le range. Il faut qu'on le range. Voilà, alors on va faire, est-ce qu'il est sec? Immaculé, sec et chaud, parfait. On va emmener le linge. Non, qu'est-ce que tu fais? Sois pas méchante avec lui. Ah, il rentre dans notre appart, en mode vénère, ok. Il nous en reste 3. Eh bien, écoutez, c'est parfait. On va appeler à table, tout simplement. Hop. Appeler à table. Et normalement, tout le monde devrait venir en prendre, que ce soit lui ou Kathleen. Ensuite, Fallon, elle est fatiguée aussi. Donc, écoutez, on la fera se coucher, voilà. Et voilà, du coup, on mange avec lui. Et on pourrait, pourquoi pas, maintenant qu'on est pas mal amis avec lui, peut-être essayer, tenter de petites interactions romantiques. Alors écoutez, on va faire amour. Merde, oh on peut le charmer, c'est vrai que j'avais pris ça comme truc de... Oh allez, on s'en fout, on y va. Hein. Comme récompense d'aspiration, comme on avait plein de points après avoir réussi l'aspiration d'animaux, j'ai pris ça, je suis désolée, j'ai oublié de vous dire. Et du coup on peut le charmer. Alors est-ce que... Oui ça fonctionne, mais c'est génial. Ça va être tellement plus facile maintenant de se faire plein de mecs. Du coup, on va les draguer. En plus, il est très enjôleur, donc c'est parfait. Il devrait pas nous poser de problème. Oui, mon enfant. Non, tu te calmes. Hein. Le contrôle des émotions, mais ça va pas du tout là.
ça c'est pas bien, ça c'est de la faute de ton père, ça tu vois. C'est toujours comme ça, de toute façon, les familles séparées. C'est toujours la faute de l'autre parent. On sait quelque chose, croyez-moi. Alors, tu vas dormir directement, voilà. Ah, on a raté l'envoi de baiser, mais visiblement, il est hyper réceptif, donc c'est trop cool. Et au cas où vous demanderiez, non, c'est pas de la triche d'utiliser charmer, parce que tout simplement, on l'a durement gagné avec notre aspiration amie des animaux. Alors, c'est dégueulasse, ça pue à côté d'eux, mais c'est pas grave, eux, ils sont contents. On pourrait faire amour, complimenter l'apparence. Oui, non, mais t'es triste, mais on est en plein dragage, là. Ça va pas le faire, princesse. Ne pars pas. Il est parti. Non. Bon. Bah, écoutez, de toute façon, il a la clé de l'appart, hein. Donc, s'il veut revenir, il revient. Et puis ensuite, Fallon, elle va aller se coucher. Et du coup, bah écoutez, moi je vous propose qu'on arrête l'épisode là. Il commence à être pas mal long. Du coup, moi je vous dis au prochain épisode. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et également à partager la vidéo si vous voulez qu'on soit plus nombreux sur la chaîne. Du coup, moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis au prochain épisode. Bisous!